Voilà une heure et demie du best-of Skyrock numéro 6 que tu peux retrouver en intégralité sur la boutique de Maurice Radio Libre, boutique.mauriceradiolibre.com. Bonne écoute. Dès l'année 1994, Maurice était sur Skyrock et il te proposait déjà un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radio Libre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1994 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme. C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Bonne nuit. Je m'appelle Jérôme, j'ai 25 ans et je suis au chômage. Ouais, il est super sympa, il est rigolo, il est très intéressant. Ouais, les sujets, et puis bon, d'autres sujets aussi, hein, d'autres trucs, les chansons, les sujets et tout. La musique aussi qui est super bien. Tout ce qui passe, tout ce qui parle à la radio, j'aime bien parce que je les écoute, c'est vachement intéressant. Dans le sens, ça me fait réfléchir. Maurice, c'est des sujets dont il parle avec les autres gens qui me font réfléchir. Il est très intelligent. Maurice, ton émission est super cool, je l'écoute tout le temps, je ne change jamais de station, même pour t'écouter. Accroche-toi à ton sort et réveille ton cerveau! Maurice, Skyrock 22h! Il n'a pas dit cool là, non? Gaël, vous venez me voir immédiatement, je vous prie. Alors, qui est-ce, je te prie? Allô? Ouais, qui es-tu? Bertrand, 20 ans, Épinal. Ouais. Je vais te demander. Tu as fait de la radio, tu as été pris pour faire de la radio à cause de quoi? De ton caractère, de ta voix, pourquoi? Mon physique, mon vieux. Ne bouge pas. Vous foutez de ma gueule là toutes les deux, c'est ça? Non, pas du tout. Vous foutez de ma gueule? Non, non. Oui, je vous fasse boire l'équipe de remplaçants? Vous foutez de ma gueule, c'est quoi ces écrans? C'est des cousins à vous, des acteurs, c'est quoi? Les laisser pour compte de la société, on leur a filé un téléphone? Il y a une opération France Télécom, toi aussi téléphone à Maurice? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand vous avez un idiot au téléphone, ne le passez pas dans mon émission. Vous avez compris? Oui. J'ai pas entendu, oui. Oui. J'entends pas. Oui, oui. J'entends pas. Oui. Je n'entends pas. Oui. Je n'entends pas, Nadia. Mec de nous, là. Je m'en fous. Je n'entends pas. Oui. Plus fort. Plus fort, j'ai dit. Tu viens près du micro ou... Toutes les deux, vous pouvez gueuler de là où vous êtes. Je veux vous entendre gueuler, putain. Oui! Non. Très attention. On va considérer que votre première heure de travail n'a pas existé. Ah, c'était un cadeau que vous faisiez à l'entreprise. Merci beaucoup. Quitte à faire retourner, secouer, déchirer, décaper, trimballer, bousculer, coup de boulet, percuter, latter, cogner, défoncer, exploser, terminer. Tu vas enfin pouvoir respirer. Allô, qui va là, je te prie? Eve, 19 ans, Perpignan. Oui, Eve. Bonsoir, Maurice. Tout commence par un souffle qui s'infiltre dans tout le corps. Le rythme te prend au ventre, te parcourt. Tu t'évades, tu ne penses plus à ce qu'il y a autour de toi. Tu te laisses gagner par la beauté, par l'amour, par toute la légèreté qu'il y a dans cette musique. Tes mains commencent à remuer, à taper doucement sur la table. Tu laisses la musique t'envahir complètement. Tu t'envoles, tu pars très haut, très loin, bien au-dessus de toutes les réalités. Le charme de cette voix te prend le corps. Ton âme se laisse bercer sans aucune retenue. Tu t'oublies, tu es baigné dans cette musique, tu flottes au-dessus de tout. Tu te mets à onduler malgré toi. Tu savoures, c'est superbe, c'est magnifique. Sans musique, la vie serait une erreur. Là, véritablement, tu touches à la vérité. Plus rien d'autre n'existe. C'est beau, c'est grand, c'est le bonheur. On n'a besoin de rien d'autre. Ève. Oui. T'as entendu cette fille? Putain, ouais. C'est beau, hein? C'est... Ouais, c'est beau. Jonathan? Jonathan Brooke, chez nous ce soir. T'as des dates de concert, tu joues en ce moment? Ouais, je suis au Café Réservoir toute la semaine. Jusqu'à demain soir. C'est la fin du spectacle. Fin du spectacle demain soir. Ouais. Encore un? Comment? Tu chantes, tu joues? Oui, je chante, je joue. N'hésite pas. Je compose, ok. Ça s'appelle...
Nothing sacred. Rien n'est sacré. C'était une chaude soirée d'été. Maurice se promenait en bordure de rivière en compagnie de quelques amis qui en profitaient pour lui raconter leur vie. Alors tu vois, c'est là que j'ai mis un grand coup de poignet, pif paf, avec ouverture à droite, derrière, sortie dancing, et là Alfredo il a appris ma plaque d'immatriculation par cœur. Mais incroyable, j'ai été tellement fort qu'il a éternué après mon passage. Maurice sifflait. Ses potes, eux, continuaient à se raconter. J'ai rencontré une nana hier soir, j'ai passé un moment vraiment agréable, vraiment cool. Ne dis pas cool, ça m'énerve. Tu as compris, Jean-Pierre? Et l'animateur décalqué s'est remis à siffler. Il est là ce soir, Maurice, sur Skyrock, dans ta radio à toi. À quelqu'un? Tu te souviens sans respirer dans le truc, c'est démentiel. T'as l'impression que c'est l'hippopotame qui va parler. Y'a quelqu'un? T'as pas une sonnette? Je suis sûr que ça va réagir à force. Y'a quelqu'un? Non, c'est pas bon, tu fais tic-tic-tic-tic-tic-tic, ça ne veut rien dire. Remets! Quelqu'un? Allô? Ah mais ça y est, c'est réveillé. Maurice, Skyrock, 22h, la chiclée du soir en grand. Ben, alors qui va là, je te prie? Allô? Ouais, qui es-tu? Ouais, mais 32 ans, je suis de bon. Tu restes voilà. Pas pendant 2h30, tu te secoues. Ok, d'accord. Moi, j'en veux au SAMU. Tu vois, quand t'es pas bien... Ben, il faut faire le 15. Alors, tu tombes sur le SAMU et tu tombes sur un médecin de garde. Et donc, j'ai téléphoné à ce médecin de garde et ce médecin de garde n'était pas au courant qu'on est 70 à peu près en France et moi, je suis le premier à avoir été cobaye. J'ai un microprocesseur dans le ventre. Et ce toubib ne sait pas, comme beaucoup de médecins ne savent pas, que depuis 7 ans, on a créé d'un microprocesseur avec un réservoir à Minneapolis aux États-Unis. J'ai été le premier en France à avoir et servi de cobaye et ça fait 7 ans que j'ai cette pompe. Fabuleux. Pardon? Non, je dis fabuleux parce que tu vois, depuis je fais cette émission depuis assez longtemps et ce métier depuis très longtemps. Et dans cette émission, j'ai parlé aujourd'hui à peu près 92 ou 93 000 personnes. 93 000 personnes. Et là, si tu veux, là on arrive au gratin. Si tu veux. Là, c'est le coup du mec. Le mec, j'avais tout vécu, si tu veux. Vraiment, j'ai tout vécu dans cette émission. Tout. Tu peux pas imaginer. Si je me mets à raconter des trucs, il y a des mecs qui vont se dire, ah oui, je me souviens, puis d'autres qui vont se dire, putain, c'est vrai, c'était moi, je vais y revenir. Tout. J'avais tout vécu, tout. Des barjots, des gens malades, des fous furieux, tout. Mais le coup du processeur dans le bide, là, ça, c'est pour moi, c'est une grande première. Si tu veux. Tu vois, quand j'arrive ici à 22h, je suis prêt aussi à tout entendre. Tout. Vraiment tout. Le mec, il est pas content. Patrick Sébastien, le mec, il pétait un truc dans sa tête. Il me parle des oiseaux, tout ça. Tout. Mais le coup du processeur dans le bide, là, je veux dire, là, je suis... Toi, tu vas, s'il te plaît. Bonsoir, Manu Katché, c'est Dorian de Saint-Ouen. Je t'interdis, Dorian, de dire une chose pareille. Et pour la peine, je te punis. Rendez-vous demain, mon vieux. Moi, Kevin, je te prie. Oui, je suis le docteur Did, je te souhaite le bonsoir, Maurice. Bonsoir, docteur Did. Dis donc, ton émission tourne effectivement en supermarché, c'est bien. Maintenant, on vient, on fait « Je veux un voyage », et puis du coup, on n'a pas de voyage. Ouais. C'est un supermarché qui ouvre parfois le dimanche. Mais il y a des gens qui se pointent le dimanche sur le parking, ils ont la pièce de 10 francs pour le chariot, mais ils manquent de bol. C'est fermé. C'est con, hein? Ah ouais, la belle affaire. En avant, mon vieux. Oh, not in the UK. Sauf qu'on est en France. Je suis le docteur Did et je suis un anarchiste. Un vrai, un rebelle. Pour moi, ni Dieu ni maître. Non à l'ordre établi. Non à l'establishment. Non aux contraintes et non à l'état politicien. Non au gouvernement fantoche. Non aux magouilles. Non à la vie.
balisé et dirigé. Je suis le docteur D, je suis un anarchiste, un vrai. Dans le métro, je ne tiens pas la porte aux gens. Quand on me dit bonjour, je réponds avec un doigt levé. Lorsque je vais aux toilettes, je ne tire même pas la chasse. Vive la rébellion. Je suis un anarchiste, un vrai. Je jette des pièces de 5 centimes dans les bouches des coups pour prouver mon mépris de l'argent. Je lis l'équipe et je déchire les pages du monde dans les bibliothèques. Je brûle des vélos les samedis soirs avec mes copains. Je dis merde aux profs, sauf quand les profs ils sont là. Je suis le docteur D, je suis un anarchiste, un vrai. J'ai une soif de vengeance à étancher. Je crache sur tout et sur rien. Je vomis sur tout le monde et sur personne. Je n'ai pas de vie d'ordure chez moi. La rébellion, c'est mon truc. Ils ne me prendront jamais vivant. Je suis un anarchiste, un vrai. Aux élections, je ne vote pas. Je ne regarde jamais la roue de la fortune. Un vrai rebelle, je vous dis. Quand j'envoie des lettres, je ne paye jamais le timbre. Des fois, même, je casse des carreaux. Pire, une fois, j'ai sonné à une porte et je me suis enfui en courant. Ah, l'anarchie. Ah, l'anarchie, c'est quelque chose que les bourgeois ne peuvent pas comprendre. C'est en se rebellant qu'on fait bouger le monde. D'ailleurs, le monde est pourri. Il faut tout chambouler. Je suis le sauteur d'id et je suis un anarchiste. Un vrai. Quand je mange mal au resto, j'emmène les couverts. Parfois, je casse une branche d'arbre. Ah, moi, mon truc, c'est contester. Je conteste toujours. Je n'oblitère jamais mes tickets de bus et je ne marche pas sur les trottoirs. Je suis le docteur Vide et je suis un anarchiste. Un vrai. Mais des fois, quand ma maman, elle crie trop fort, eh ben, je ferme ma gueule. Bonne nuit, Maurice. Salut le docteur Vide et bonne nuit à toi. Vous êtes très mal tombé. 16 1 42 36 96 96. Maurice sur Skyrock va parler. Oh putain, elle est bien mon émission, merde. Comment je fais? 16 1 42 36 96 96. Maurice Skyrock 22h. Putain, je suis génial. Je suis génial. Appelle-moi. Je suis génial. Appelle-moi. Allô, qui va là, je te prie? Allô, Jérôme, bonjour, Herman. Quoi qui s'est coupé? Qu'est-ce qu'il y a là? Attends, moi, attends, Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a? Qui? Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a coupé? Il n'y a plus rien. Ah bon? Jérôme. Hein? Jérôme, va jusqu'à ta radio et dis-moi ce qu'il y a dedans. Ce que tu entends. Quoi? Va, tu as la radio à la maison? Bah oui. Bon, va écouter ce qu'il y a dans ta radio là. Bah, il y a moi. Mais bon. Raccroche-toi, hein. Mais non, ne raccroche pas, Jérôme. Non, mais il y a du téléphone. Bon, attends, on va attendre deux secondes. Tu es avec quelqu'un, Jérôme? Ouais. Avec qui? Avec mon frère, toute ma famille. Bon, demande à ton frère d'écouter la radio là maintenant, tout de suite, pour savoir ce qu'il y a dedans, ce qu'il entend. Bah, ça résonne. C'est vrai? Y'a pas de problème, hein. Mais plus fort? Y'a pas de problème. Mais plus fort? Y'a pas de problème. Jérôme, ouais. Mets la radio plus fort, je veux savoir si ça a coupé. Mettez la radio plus fort. Deux secondes, hein. Ouais. Ah, ils ont pas mis plus fort, là. Et les fameux qui battent pour qu'ils mettent plus fort. Il y en a qui baissent jamais et d'autres qui montent jamais. Allô? Non, mais hey, tu te fous de moi? Mais non, je me fous pas de toi, Jérôme, on me dit que ça a coupé. Ben, ça a pas coupé, ils se sont trompés. Ah, en province, ça a coupé. Attends, je sais pas. En province, pas de coupure. Et t'es où, Hermont? C'est dans la région parisienne, ça? Bah ouais. C'est près de quoi? C'est près de Pontoise, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre? Mais qu'est-ce qu'elle a à courir partout? Qui? Non, mais c'est je pense qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a pété une vénule. Hein? On appelle un médecin? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas coupé, ce mot, mais t'as Pontoise, il entend, et en province, on entend. Mais là, c'est à Hermont. Oui, bon, c'est à côté de Pontoise. Ouais. Bon, il entend, lui, dans sa radio. Ah. Mais qu'est-ce que... Bah, parce qu'on a mis le son fort. On a mis le son fort, d'accord. Qu'est-ce que tu dis, toi? Parle-moi, lui, de me faire des gestes. Quoi? Ça a coupé ici, en fait. Ça a coupé quoi, ici? Bah, ici, on n'a plus d'électricité. Ah, il n'y a plus d'électricité, mais on s'en branle, il fait noir, ici, on s'en fout de l'électricité. Hein? Mais ça marche là-bas. Waïa ya ya. Mais si, puisque ça résonne. Waïa ya 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 ya. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des galons derrière la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, il n'y a pas de coupure en province. Quoi, ça coupe tout en province? Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure en province, il n'y a pas de coupure à Paris. Alors elle est où la coupure? Ici, il n'y a plus d'électricité. Mais elle est où la coupure ici? Il n'y a plus d'électricité. Quoi? Ici, il n'y a plus d'électricité, mais ils sont bons, les gens, qu'il n'y ait plus d'électricité ici. Il marche, le standard? Ouais. Eh ben alors, le standard marche. Tu l'entends dans ton poste, là-bas? Eh ben alors, on peut bosser. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, putain? Je ne peux pas bosser. Ah, c'est Mélie qui ne peut pas entendre la radio, c'est ça, petite?
Comment ? J'ai plus de courant. Ben, je ne sais pas, moi, démerde-toi. Il n'y a pas des rallonges, ils font chier. Je suis obligé d'arrêter l'émission parce que Millie n'a plus de courant, tu comprends ? Elle passe sa soirée avec Singapour au téléphone. Elle a envie d'avoir une musique de fond pour rappeler qu'elle est en France. Jérôme ? Ouais. Bon, pardonne-moi, qu'est-ce qu'il y a, petit ? Ah, c'est pour savoir pourquoi tu fais cette émission. Parce que c'est la seule que je puisse faire, Jérôme. À quoi ça te sert ? Comment ? À quoi ça te sert ? Ah ben ça me sert à gagner ma vie, Jérôme. Ouais, mais tu fais que ça comme boulot. Bah oui, je fais que ça comme boulot. Non, mais tu, avant tu passais, avant, tu n'es pas que Maurice l'ami. Mais si, mais je suis toujours Maurice, Jérôme. T'appelles ouais. Maurice ? Bah oui, je m'appelle Maurice, Jérôme. Ah, mais t'es pas obligé de dire plusieurs fois Jérôme, hein. Bon, allez. Comment ? Elle est bonne, celle-là. Ah, elle est très bonne. Tu peux couper le micro qui est là-bas, s'il te plaît, merci. Putain, c'est la débandade totale là-dedans. Millie n'a plus d'électricité, les gens ne savent plus comment il s'appelle, si tu veux. Quel est le rapport avec Millie, là ? Pourquoi est-ce que tout le monde est désorganisé ? C'est quoi, c'est la reine-mère, la fille du patron ? Je la vois sortir de son KGB. Bon, Jérôme, on y va, petit gars. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au commencement, il était Maurice. Ensuite, il t'a conçu, modelé, manipulé, mutilé pour son amusement. Aujourd'hui encore, tu dois faire avec. Alors, appelle au 16-42-36-96-96. Mais n'oublie pas ta condition. Je suis moi, installé dans la nuit, habitant du soir. Quand j'arrive, la nuit s'installe. C'est moi qui l'amène. Avec mes ongles crochus et mon regard étrange, je marche dans la nuit. Je m'assieds dans ta tête. Et parfois, je chantonne. La 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 la, la la la. À d'autres moments, quand je suis énervé dans ta tête, je crie. Oh, tu ne sais plus comment tu t'appelles, parce que ce petit morceau de cerveau que tu as, je le mets dans un sac et je pose ma chaise dessus, dans ta tête. J'habite ta tête, j'habite chez toi, j'habite ton corps, j'habite tes idées. Tu ne peux rien faire sans moi. Quand j'en ai marre, je sors. Si par mégarde, je laisse ton petit bout du cerveau dans le sac, tu es amorphe et perdu. Je te maîtrise, je te contrôle. Tu es à moi tout seul. Il y avait des milliards de choses à faire ce soir. Et j'ai décidé, moi, Lucifer, t'amener tout près de moi, tout à côté, pour te susurrer des phrases à l'oreille. Et oui, Lucifer, tu es à moi. Si je crise, je prends ton corps, je le torsade et je fais un nœud, comme pour le laver. Ah, si tu savais d'action qu'il y a dans mes mains. Le nombre d'idées tordues qui habitent ma tête et que je te force à faire sans que tu t'en rendes compte. Et tu savais combien de fois j'ai dormi dans ton lit. Combien de fois avec mon long nez j'ai respiré ton odeur. Combien de fois je t'ai chatouillé les pieds pendant que tu sommeillais. Combien de fois au bas de l'escalier je t'attendais. Et combien de fois je t'ai accueilli avec un sourire ravi. Te voilà. Te voilà. Je vais t'emporter. Combien de fois je t'ai forcé à commettre des actes qui ne correspondaient pas à ce que tu es véritablement. Combien de fois à certains moments, tu circules. C'est moi qui conduis.
À certains moments, tu te blesses. C'est moi qui choisis. Avec quoi tu t'es coupé? Tu ne le sais même pas. C'est moi qui m'amuse. Et ce n'est pas fini, Lucifer. Pour toi, j'ai un petit programme. Je t'ai trouvé un nom. Tu l'utilises à merveille. Dis-moi, est-ce que tu suces? Comment? Est-ce que tu suces? Je sais sucer. Je ne fais pas que ça. Tu veux que je te suce? Ouais, je veux bien que tu me suces, Mathieu, ouais. Alors installe-toi confortablement. Ouais, mais là, je suis bien, là. Tu es sur une chaise, hein? Non, je suis assis sur mon lit. Sur ton lit? Ouais. Alors écarte-moi bien tes cuisses. Ouais, j'écarte bien les cuisses. Ah, je commence tout doucement. Ouais. À te caresser les orteils. Tout doucement, hein? Tout doucement. Ouais. J'avance avec ma langue, là, sur tes jambes. Ouais, par doucement, comme ça, c'est bien. Je te lave les jambes. Ah ouais. J'avance avec ma langue. Tout doucement. Est-ce que tu sens ma langue? Alors, je la sens bien, là, ouais. J'arrive, bébé. Oh, puis je monte très dur, tu vois. Reste avec tes cuisses écartées. Ouais. Non. Je vais prendre tes couilles dans ma main. Ouais, aspire dans ta bouche. Hein, que tu aimes ça? Regarde comme je t'ai fait tourner dans la paume de ma main. Tu aimes? Je l'ai pétri. Je les ai roulés sur la paume. J'ai les malaxes tout en les emmenant de gauche à droite. Elles sont bien grosses, bien chaudes, bien pleines. Je vais les mettre dans ma bouche, des gros bonbons. J'ai envie de les avaler, David. Est-ce que tu aimes ce que je te fais? David? Ouais, David. Tu planes déjà? Je vais te décaloter tout doucement avec mon pouce et mon index tout en te titillant la queue et en tournant ma langue autour de ton gland. Maintenant, traverse mes lèvres clipeuses. Viens, baisse-moi la bouche, mon amour. Enfonce-toi dans ma gorge. Oui. C'est bon, je peux te jacquer dans la gueule, là? Comment? C'est bon, là, je suis en train de jouir, là. Je peux te jacquer dans la gueule ou pas? Vas-y, dans la gueule. Bah ouais. Vas-y. T'aimes pas avaler? C'est le but pour que tu jouisses, hein. Mets-moi toute la crème. Étalement. Sur mon visage. Tu devrais enlever le balai que tu as ensuite, je t'entends rien ce que tu dis, ma chérie. Hein. Tu as aimé, David? Ouais, j'ai adoré, tu penses. C'est vrai? Ah bah tiens. David. Ah, j'ai joué comme un salaud, tu peux pas penser, là. Hein. Alors, si tu me veux encore une autre fois, tu fais le 36, 70, 21, 44. Bien sûr, je vais le faire. Tu vas le faire? Ouais, et puis après je te défoncerai. Oh, ouais. Et puis après, je t'envoie la facture de téléphone, hein. Hein, ah, oui, Maline, oui, si tu veux, hein. Que ça te fait aussi. Hein, bien sûr, business, hein. Allô? Allô? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu disais? Non, je dis, je vais le faire. 9 francs la connexion, 2 francs 40 par minute. Envoie-moi ta facture, envoie-la, Jessica. 45 francs tous les quarts d'heure, je vais le faire. Envoie-la, Jessica, on va pas tergiverser. Pour me faire sucer par téléphone, moi je suis prêt à déverser toute ma carte bleue, hein. Je suis prêt à être interdit bancaire pendant 10 ans pour me faire sucer par toi. Tu penses? Mais non, je vais t'aider. Envoie-moi ta facture. Ouais. T'es chaude, toi, hein. C'est vrai? Ah, t'es basé sur le sexe à mort, toi. Et là, je n'étais encore que tiède, hein. Ah ouais, t'étais tiède, là. Oh, putain, si tu viens me voir... Imagine pas à quel point j'ai joué, là. Prends l'embauche, je te défoncerai, je te mangerai, je te croquerai. Moi, je suis une féline, moi. Ah ouais, t'es une féline, là. Fais attention à Jessica. Elle dévore les hommes. Ouais. Tu m'entends? Ouais, j'entends Jessica. Viens me voir au 36, 70, 21, 44. Je t'attends. Ouais, vas-y, répète le numéro, là. 36... 70. C'est bon, merci. 21, 44. Merci. Répète pour moi. Viens, mon amour, viens. Je Jessica. Ouais, Jessica, une pipe toutes les deux secondes. Jessica. Oui. Je suis désolé, mais. Oui. Tu en perds ton latin. Mais il va aller se laver les mains.
Merci, Jessica. Bonne nuit. Je t'en prie, Maurice. Bonne nuit à toi aussi. 16 1 53 40 30 20. Chez Maurice, on cause, mais attention. David, dépêche-toi. Oh ben moi, je voulais parler sur les drogues. Ouais, mais t'as pas autre chose? Je peux me branler au téléphone si tu veux, je peux te faire écouter comment je me masturbe aussi. Non merci, ça va, je suis pas très excité par les garçons. Bon, je voulais juste vous dire un mot sur les drogues, parce que j'ai toujours entendu que quand un type arrivait sur l'antenne et qu'il parlait de drogue avec un arrière-goût de promotion, ben t'as toujours tilté dessus quoi, donc j'imagine que le mot drogue... C'est toujours quoi dessus s'il te plaît? Bah t'as toujours eu ce qu'on appelle un t'as toujours tilté dessus quoi. Qu'est-ce que ça veut dire tilté dessus s'il te plaît? Bah je sais pas, j'ai l'impression que dès que quelqu'un parle de drogue sur ton antenne, le mot drogue te donne des boutons quelque part. Et alors? Moi je voudrais dire que la drogue c'est pas bien, hein. Faut pas en prendre parce que moi je sais que j'ai essayé il y a très très longtemps parce que je me suis rendu compte que j'étais assez con comme ça et que j'avais pas besoin de prendre de drogue. Et que c'est vrai que la drogue c'est pas bien et que moi je pense que faut pas en prendre. Quoi? Non, je dis faut pas en prendre. T'es venu pour faire le con, c'est ça? Ah non, mais déjà je me suis fait sucer, j'ai foutu partout du sperme, j'ai éjaculé, j'ai repeint les murs. Mais pardonne-moi, c'est pas mon quartier, ça. Tu as bien des copines derrière toi, il me semble. J'ai. C'est à elles qu'il faut en causer, pas moi. T'as autre chose? Qu'est-ce que tu penses du groupe Pas de religion? Je pense que c'est très bien comme groupe. Ça te va? Je suis d'accord avec toi et je te souhaite une bonne nuit dans tes nouveaux locaux, tout neuf. Je ne vais pas rester y dormir. Pourtant, tu devrais. Je devrais peut-être, mais je ne vais pas rester dormir là. Ah oui, c'est vrai que t'as un appartement toi aussi. Oui, puis je ne suis pas très sensible à l'immobilier, je t'avoue. Bonne nuit. Bonne nuit, Apollon. Comment? Bonne nuit, Maurice. Qu'est-ce que tu avais dit avant? J'avais dit bonne nuit, ma poule. Oui. Méfie-toi tout de même, Alpha. Mais je t'aime, Maurice. Oui, mais je suis tout de même le type par lequel les emmerdements arrivent. 16, 1, 53, 40, 30, 20. Maurice Skyrock, 22h, est ici. Emplissez-moi mon écran, je vous prie. Karine est là avec Delphine. Karine, c'est qui? Parlons le micro. Bonsoir. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu fais des traînantes comme ça? C'est l'habitude de parler dans les champs. Non, je ne suis pas, j'essaie d'avoir de l'impact. Ah, avoir de l'impact, c'est faire des traînantes, ok. Je comprends pourquoi ils se cassent le cul dans les supermarchés. Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis lycéenne. Parle plus près du micro. Je suis lycéenne. Ah, je suis lycéenne. Non, tu fais pas ça. Moi, je fais. Je me disais un truc. Je pensais à un truc, là, pendant qu'il y avait la musique. Je me disais, demain, si je peux, tu devrais... Enfin, attends. Premier truc, je me disais, faut quand même que tu ailles te coucher, toi, là. Éteins la radio, tournière, tout ça. Allez, demain, à midi, tu vas aller faire tes courses dans les grandes surfaces. Et peut-être que j'irai te regarder. J'adore la tête que tu fais quand tu vas dans les grandes surfaces. Une fois que je l'ai fait, je suis allé voir sur un parking. Tu sais, tu vas, béquille, tu regardes. Genre le mec qui attend. Ce que j'aime quand tu vas faire tes courses, c'est ta tronche et ton accoutrement. Tu es très souvent survête, ton côté sportif sans doute. Et quand tu es dans le magasin, tu as toujours cette espèce d'air du mec qui décide, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu es dans une grande surface, qu'est-ce que tu fais? Tu ne décides pas, tu cherches. C'est pour ça... Les mecs des grandes surfaces, ils s'éclatent total. Moi, c'est un boulot que j'aurais bien aimé faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'ont mis le riz au fond à gauche, samedi dernier. Mais ce samedi-là, le riz sera juste devant, à droite. Et les mecs doivent s'éclater en pleurer de rire quand ils te voient arriver avec ton air, c'est t'as toujours l'air... T'as l'air d'un intello profond, c'est t'as toujours l'air de quelqu'un, quoi. Ah, t'arrives là, tu pousses ton chariot contre l'autre 10 francs. Enfin non,
on te force à donner 10 balles parce qu'on a peur que tu le chouraves. Je sais pas ce que t'en fous, tu te promènes jamais, je veux dire. Pas ton genre. Mais on a peur que tu te barres avec. T'achètes une caisse, il y a de la moquette partout. Mais tu pourrais éventuellement te barrer avec le chariot. Qui est 3 fois plus importante que ta caisse, en fait. Mais bon. Donc on te met 10 francs, toi t'es là, 10 francs. Tu mets 10 francs dans le truc. Bon. C'est comme ça que ça marche, bon. Et après, tu crapahutes dans le magasin. Dans la réalité, tu es affolé. Affolé total. Il y a ces néons, parce que, bon, une grande surface, je veux dire, le mec, il te dit clairement qu'il n'en a rien à foutre. Ouais, c'est un truc avec des rangées de néons. Le néon, je veux dire, même dans les bureaux des fonctionnaires qui sont des mecs hyper malheureux, il n'y a plus de néons, c'est fini. Dans les grandes surfaces, quand tu décides, toi, on t'a mis des néons. Je veux dire, t'as la tranche, t'as l'impression d'être allé à un concert. Au concert des légumes en boîte. Tu vois ce que je veux dire? Alors, t'es là, tu crapahutes dans le magasin, tu parles pas, t'as tes mots, ils veulent des trucs, ils comprennent même pas les mots. Mais par contre, ils savent que c'est Corillon jouet. Si tu veux, quand ils vont être chez la maison, ils vont jouer avec l'emballage de la boîte, de la, je sais pas quoi, du dernier truc horrible qui trucide la moitié de la planète en changeant de gueule et en se transformant en bagnole. Le môme, il va rentrer à la maison, il joue pas avec ça, il joue avec l'emballage. Et quand il est dans le magasin, si tu veux, il a pas envie de déconner avec les boîtes qui roulent, tu vois, mais ça c'est... Tu vois, il a pas envie de... Non. Il veut déconner qu'avec les trucs qu'il y a dans le rayon jouet. Parce que le môme, c'est toi, si tu veux, mais quelques années en avant. Le môme, c'est une bombe déjà d'entrée. Et bientôt, il va y aller... Avec, je crois que ça a été interdit, avec sa pièce de 10 balles pour avoir son propre chariot, qui soit déjà prêt. Mais le mec des grandes surfaces, lui, il se marre, parce qu'il sait que même si le môme, ça fait 20 ans qu'il y va, quand il va y arriver, le riz sera pas à la même place. Bon, alors t'es là, t'en es super sérieux, et après, t'as la caisse. Oh, la caisse, là, t'es énorme. Parce qu'à la caisse, tout d'un coup, tu te rends compte que jusque-là, dans le magasin, t'as l'impression d'être une espèce de chef, le consommateur, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, t'as pas arrêté de compter, de prendre des trucs. Bon, ce que t'as vu à la télé, parce qu'on t'a dit, c'est à la télé, donc c'est bon, là, c'est ce qu'il te faut. T'as une fille, t'es une nana, elle pèse 50 kilos, elle est belle, comme le truc. Donc, toi, tu te dis, putain, si je mange ce truc-là, je vais devenir belle comme elle. Y a aucune chance, hein, je préfère te le dire. Ah bon, je veux pas non plus dévoiler le secret. Donc continue à penser que tu vas devenir comme cette nana en mangeant du... Je sais pas quoi. Bon, en mangeant des pâtes de chez Truc plutôt que de chez Y. Alors qu'elles viennent du même endroit, faut que tu le saches, souvent. Bon. Et là, donc une fois que t'es à la caisse, là, tout d'un coup, tu te rends compte que... Il va falloir... Là, il va falloir que tu donnes... Que tu donnes le blé. Alors t'as une queue interminable qui dure 3h30 et là tu te rends compte que là l'espèce de grand bac à roulettes et en ferraille qu'on t'a donné est énorme et dedans t'en as pour 300 sacs. Ça te fait presque un an d'abonnement à Canal+. T'as ton abonnement de l'année dans un chariot à roulettes et là ça commence là. T'arrives dans le machin, tu ne parles à personne et t'as les trucs qui défilent. La nénette, elle prend le blé, elle sait que c'est pas pour elle, donc elle s'en fout. Elle s'en fout totalement, je veux dire. Si t'es pas content, tu gicles. Autrement, on t'envoie deux blacos de 2 mètres de hauteur qui parlent peut-être que créole et on s'en branle parce qu'ils ont des chiens qui peuvent parler à leur place. Et après... Une fois que t'as bien les boules, là, parce que tu t'es rendu compte que t'avais acheté 7 kilos de pâtes, truc, alors qu'en fait, t'aurais pu avoir 15 kilos de pâtes Y, et là, tu vas à la caisse, là, à la voiture, pardon, à l'automobile, ce véhicule que tu as acheté, là, parce que tu l'as trouvé très très joli à la télé. T'avais commandé, puis là, quand t'es arrivé, tu dis, attends, c'est pas ça que j'ai commandé.
Si, si, t'as ta signature, là, vieux. Trop tard. Elle t'aime déjà. Et sa petite goutte d'huile. Du pot catalytique, la surprise du chef. C'est le machin qui est... C'est le truc. Ah, moi, l'environnement, les arbres, tout ça, ça m'excite. Donc moi, je suis catalysé. Comme ça, je peux me mettre à genoux et respirer les gaz d'échappement. Ça va me faire pousser des arbres dans le corps. Mais bon, le pot d'échappement, c'est 600 sacs. Hein, il te l'a pas dit, le mec. Parce qu'il s'est caché, c'est sous la bagnole. Le mec, quand il te l'a vendu, il t'a parlé des vitres électriques et de l'airbag. Parce qu'en fait, t'achètes la caisse en disant, putain, je vais cartonner. Je suis sûr qu'avec cette caisse, je vais cartonner. Je veux le double airbag. Mais quand on te dit double airbag, en fait, tu crois que c'est... C'est juste pour toi qu'il y en a deux, c'est un premier airbag et ensuite le deuxième qui te finit. Tu vois, quatre cartons, t'as le premier qui vient de plaquer au siège et le deuxième qui t'étouffe. Moi, je préfère mourir étouffé que de mourir dans ce truc-là. Bon, donc tu vas à la caisse, là. Ils t'ont mis de la moquette dans le coffre, comme si t'allais dormir dedans. Là, tu jettes les sacs plastiques. Tu mets toute la bouffe dans le truc. Et après ça, ben, tu commences les activités du samedi qui sont ranger les courses. C'est fabuleux. T'as 3h30 à peu près pour les monter à l'appart, à gueuler après les mômes, parce que la seule chose qui les intéresse, c'est le machin, l'animal. Le taxi ne trouve pas la fille. Elle est tellement laide, si tu veux, que le mec se dit, c'est pas possible, c'est pas elle. Alors il tourne. Il a peut-être même demandé. On n'a pas vu une fille qui va voir Maurice. Bon, je finis mon histoire, après j'arrête. Enfin, faut qu'on cause, il y a plein de gens qui attendent depuis 1h30. Mais là, je peux pas, je veux dire. Parce que les grandes surfaces, c'est quand même très très fort, hein, l'histoire. Et là, avant que tu partes, là, donc t'as chargé, tu vois. Ouais, j'ai oublié sur le parking. Donc t'as chargé, après t'as fait le boulot, c'est-à-dire que tu fous au chômage un mec quand même. Parce que t'as fait le boulot du mec qui allait ramasser les chariots à côté de ta caisse, donc tu l'as fait le boulot pour récupérer tes 10 balles. T'as dépensé 3000 balles, mais attention, hein, boum, maintenant, attention, mes 10 francs, ils les auront pas. T'étais parti pour acheter 350 balles de trucs, t'as fait 3000 balles de course, mais tu tiens à ta pièce de 10 francs. Et t'es prêt à cogner sur le premier mec qui pourrait essayer de t'entourlouper. Alors surtout, tu refiles pas ton chariot à un mec qui va te donner 10 balles. Surtout pas. Tu le ranges, tu récupères ta propre pièce et tu la mets dans ton porte-monnaie. Dans le magasin, t'étais pas du tout à 10 francs près, mais à l'extérieur, là, c'est la folie. Tu serais prêt à sortir un gun, un pistolet d'alarme, si tu veux, et tuer un mec, si tu veux, pour tes 10 francs. Parce que là, c'est une vraie pièce qu'on voit. Oui. Bon, t'es à la maison, tu attaques le rangement et tout ça, t'as les mômes qui foutent le bordel, et tu te dépêches. Pourquoi est-ce que tu te dépêches? Tu te dépêches pour regarder la télé. Voilà. T'as ton samedi. Pourquoi est-ce que tu t'es mis en survette? Ben parce que tu sens quand même les courses, c'est un truc crade. Vous êtes très mal tombé. 16 1 42 36 96 96. Maurice sur Skyrock va parler. Alors, que pensez-vous des... Mais qui, quoi, que pensez-vous? À qui parles-tu? À toi. À toi. Que penses-tu des banlieues? Qu'est-ce que je pense des banlieues comme Versailles? Non. Fontainebleau, peut-être. Non, c'est pas des banlieues. Saint-Germain-en-Laye. Comment ça, c'est pas des banlieues, ça? C'est quoi? Des banlieues, ouais, mais... Ah bon? Quand on dit banlieue, on pense... Ah, les banlieues que la presse te vend? Ouais, voilà. Ah, d'accord. Ce que je pense de ces banlieues, bah, je vais te dire, ça va pas faire plaisir. Je pense que dans ces banlieues, il y a beaucoup de gens qui ne servent à rien, qui sont des gens qui mettent le bordel, qui brûlent des caisses et qui abîment leur cadre de vie. Et qui viennent ensuite pour me dire, et nous dire à nous tous, qu'on ne s'occupe pas d'eux. Tu peux pas provoquer la bagarre et gueuler parce qu'il y en a. Je ne crois pas. Je ne suis jamais les allé dégrader... un immeuble à Sarcelles. Les mecs du 8e non plus n'y vont pas. Les gens qui dégradent les banlieues sont d'abord les gens qui y habitent. Quand les mecs font cramer des caisses, ce sont les caisses de leurs parents sur le parking du HLM. Ce qui leur déplaît après, c'est qu'il y a une carcasse sur le parking. Une carcasse consumée que personne ne veut enlever. Et je dis, chacun sa merde. Dans les banlieues, il y a les lycées. Le bordel dans les lycées. Qui met le bordel? Les mecs du 8e? À moins que ce soit ceux du 11e arrondissement. Ou ceux du 4e arrondissement de Lyon.
je crois que les mecs qui mettent le bordel dans les lycées de banlieue sont les gens qui vont dans ces lycées de banlieue. Hein, si c'est la merde en banlieue, c'est parce que les gens qui y habitent mettent la merde. Et tant qu'ils seront là, tant qu'ils auront cette mentalité, ça ne changera pas. On pourra avancer du blé, allonger, refaire, retaper. Ça ne changera pas. Parce que les inscriptions sont mises par les gens qui y résident l'endroit. Ouais, enfin bon ça d'accord, j'accepte, c'est ton point de vue. Mais... Ah, ce n'est pas mon point de vue, c'est la vérité. Ce ne sont pas les gens du 16e, du 8e, du 12e et du 4e qui vont saccager les banlieues. Ce sont les gens qui y habitent. Ce ne sont pas les gens qui sont ailleurs, qui viennent menacer et casser les portes des gens. Ce sont les gens qui y habitent. Je sais de quoi je parle, je vais y traîner le soir très tard. Je vois des choses et des gens qui font des conneries. Et je me dis à chaque fois, putain, pour moi c'est le cinéma. Je vais, je regarde et après ça je rentre à la maison. Ah, ces gens-là mettent le bordel chez eux. Qu'ils continuent à le faire, mais qu'on ne me demande pas de mettre la main à la poche. Chacun sa merde. Tu casses chez toi, casse tout. C'est ton problème. Et qu'est-ce qu'il y a de moins à Sarcelles par rapport à... au 13e ? Rien. On fait plus de choses pour les jeunes ? Non, je ne crois pas. On ne fait pas plus de choses pour les jeunes dans le 8e arrondissement de Paris. On ne fait rien sur les Champs-Élysées pour les jeunes. Et même pour les Français, on fait des choses pour les gens qui viennent regarder la vitrine. La seule différence, c'est la mentalité. Il y a des gens qui savent s'installer dans un coin et bouquiner. Et d'autres qui imaginent qu'exister, c'est sortir un couteau, un gun ou une seringue pour aller la mettre sous le nez de celui qui passe. Ce sont les banlieues qui mettent la merde chez elles. Ouais, mais ça c'est la mauvaise image de la banlieue, parce que franchement, il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça, quoi. Il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça, Fabrice. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui pérennisent le système, qui le poussent à continuer à exister. Et ce sont à ces gens-là qu'il faut aller parler. Je suis foncièrement contre les mesures diverses et variées. Je dis que c'est à ces gens de s'occuper de ce qui se passe chez eux. Alors il y a ceux qui veulent faire, puis il y a ceux qui mettent le bordel. Il faut raisonner ceux qui mettent le bordel, pas venir nous emmerder. Ouais, mais en fait, ceux qui mettent le bordel aussi, c'est peut-être parce qu'on les pousse un peu trop quand même. Qui les pousse? Moi? Mais ceux qui font rien pour les aider, ben c'est normal, ils font... Mais pourquoi est-ce qu'on aiderait ces gens? Tu m'as aidé, toi? Les banlieues m'ont aidé un jour dans ma vie? Jamais. Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait, toi? Parce que tu as choisi d'habiter dans une habitation à loyer modéré? Parce que tu paies moins cher ton loyer, donc forcément on doit te donner un coup de main? On t'en donne pas déjà un? T'as pas un logis? T'as pas Canal+, la télé couleur à la maison et un salon en cuir? Hein? J'espère que tu rigoles. Va faire un tour ce soir et regarde les bagnoles qu'il y a sur le parking de chez toi. Tu vas tomber sur le cul. Des voitures baladures, il n'y en a pas. Des 500 sacs, elles sont toutes à la poubelle. Ce qui reste, c'est des voitures tout fraîchement achetées avec des crédits. Pourquoi est-ce qu'on aiderait plus les mecs de banlieue que les mecs d'ailleurs? Est-ce qu'un mec qui habite Saint-Germain-en-Laye, on lui a filé un coup de main pour acheter sa maison? Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait filer un coup de main à un type qu'on aide déjà? On lui donne un appart, moins cher qu'ailleurs. Et il y habite. Il vient me dire maintenant qu'il est malheureux, qu'il quitte l'appartement. Qu'il le laisse à un autre. T'habites à Paris, non? J'habite à Paris, oui. Eh ben, tu connais franchement la banlieue? Tu connais réellement les problèmes de la banlieue? Oui, les problèmes de la banlieue, je les connais, il y en a plein des journaux. Il y a des gens comme toi qui sont malheureux toute l'année, qui viennent nous dire que c'est parce qu'on ne les aide pas. Je dis qu'on n'a pas à les aider, ils n'ont qu'à se démerder tout seuls. Un mec, pour travailler à l'école, n'a pas besoin d'une aide. Il a besoin simplement de se dire, il faut que je travaille. Parce que dans les lycées de banlieue, quand il y a une classe et un professeur, il y a les mêmes éléments que dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un prof, des élèves. Point, c'est marre. Il y a, dans les lycées de banlieue, ceux dont nous parlons, toi et moi, il y a des gens qui se mettent debout, qui crachent, qui pètent, qui arrachent, qui lancent, qui menacent. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai entendu ce matin, il y avait des profs côté de Rouen qui ont décidé d'arrêter de bosser. C'est ces mecs-là qu'il faut soutenir. Les mecs qui en ont marre, qu'on les menace, qu'on les traite de tout. Ils viennent pour essayer d'enseigner quelque chose à des gens. Et le discours, c'est non. Ne comprenons pas ces gens qui essaient de bosser, qui ont préparé des diplômes. Essayons d'aider ces jeunes malheureux qui font chier tout le monde et qui se plaignent toute l'année. À cela, je dis merde, mon vieux. Merde profond. Alors, quel âge, je te prie? Stéphane, de Limoges. Quel âge as-tu?
25 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je t'appelais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur les banlieues. Bon, assez souvent, j'aime bien ce que tu dis parce que je trouve qu'effectivement, tu as un regard un peu différent. Je n'ai absolument rien à foutre qu'assez souvent tu sais pas quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as à dire là maintenant. Et donc, ce que j'ai à dire là maintenant, c'est que par rapport aux banlieues, je suis pas du tout d'accord parce que je crois que les problèmes, ils viennent pas que des gens qui sont dans les banlieues. Non, ils viennent de qui? Ils viennent avant tout de nous, ils viennent d'une société. Ah oui, ils viennent de nous et d'une société. Quand un mec fout le bordel dans une classe, tu vas me raconter que c'est une société qui fout le bordel. Tu vois, les problèmes des banlieues, c'est un ensemble d'actions. Pourquoi est-ce que Madame Michu a la trouille de sortir je ne sais où, à la Courneuve, à 2h du matin? Ben parce qu'elle a une amie qui s'est fait ouvrir le bide, un jour. Et ça, c'est pas la société, ça. C'est un mec qui habitait dans cette cité, qui traînait là le soir et qui en a profité. Pourquoi est-ce que monsieur je ne sais quoi ne veut pas laisser son autoradio dans sa caisse? Ben c'est parce que un beau jour on lui a pété un carreau et qu'on a pris son autoradio. C'est pas la société ça. C'est le mec qui habite là, qui a choisi de le prendre. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui passent devant des groupes de banlieusards et qui baissent les yeux en se disant j'espère ça va pas durer longtemps? Ben c'est parce qu'un jour, il y a un type qui s'est arrêté et qui a dit quoi, qu'est-ce qu'il y a le môme? Et puis que les 50 lui sont tombés dessus. C'est pas la société, ça. Ce sont des gens qui font ça. Et ça s'arrête là. On peut très bien généraliser à tout va, se dire que on ne pourra pas régler sauf à coup de dollars et de blé. Moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est d'abord dans la tête. Si tu ne branles rien à l'école, c'est pas la société. C'est toi qui fais un choix. Tu peux faire ce choix, mais ne viens pas me faire chier après. C'est toi qui as décidé de ne rien foutre. Téléphone à ces profs qui sont dans la banlieue de Rouen, qui ont décidé d'arrêter de se faire traiter de tout par les élèves. Et explique-leur que c'est la société qui met le bordel dans leur classe. Que c'est la société qui les effraie tous les jours. À ces gens-là, je dis, et Dieu sait que je ne suis pas forcément pour le fonctionnaire, je dis, putain, bravo les gars, arrêtez tout. Coupez le contact. Jusqu'à ce qu'on foute dehors les mecs qui foutent le bordel. Jusqu'à ce que vous puissiez faire le boulot pour lequel on vous paye. Ou alors allez-y franchement, venez avec une batte de baseball, puis démontez la tronche du premier gamin qui va bouger. On verra ce qu'ils vont dire les parents. On verra s'ils vont considérer que tu as le droit ou pas. Il y a un moment où cet équilibre que tout le monde voudrait avoir à chaque moment, il y a un moment où il va falloir le fabriquer. Est-ce qu'on joue à la guerre dans les classes? Ou est-ce qu'on dit aux mecs de se calmer? On dit tout et rien aujourd'hui. On dit c'est la société. C'est pas la société, Stéphane. Ce sont des gens. Les graffitis que tu vois sur les murs des HLM, c'est pas la société qui vient les mettre. Ce sont des gens, vraiment. Même si on te les montre à la télé en te donnant l'impression que c'est international, ce n'est pas vrai. Ce sont des gens, vraiment, qui vont et qui bombent les murs. Et il y a des gens qui habitent dans des immeubles lorsqu'il y a un graffiti, une marque. Alors on leur dit, maintenant on va diviser par le nombre de résidents et on va refaire le couloir, on va refaire l'entrée parce que c'est intolérable. Et puis il y a des endroits où on dit aux mecs, c'est le HLM, habitation à loyer modéré. T'inquiète pas, tu peux taguer, tu vas aller râler après, puis un de ces jours tu auras les crédits, on va tout nettoyer et tu pourras recommencer. Mais les gens, Maurice, c'est la société. Enfin, je veux dire, la société, ce n'est que les gens. Et le problème, on peut pas le régler aussi facilement que ça. Il faut bien voir dans des cités ou dans des banlieues où il y a 5 tours qui font chacune 20 étages, ça fait 5000 personnes qui sont là. Avant, quand il y avait 5000 personnes quelque part, c'était un village. Avant, il y avait un maire, il y avait une école, il y avait plein de choses qui étaient au même endroit et qui créaient des liens entre les gens. Alors c'est vrai, bien sûr, les gens ont leur part de responsabilité. Bien sûr que le dialogue, petit à petit... Stéphane ? Oui. Stéphane, arrête de dire n'importe quoi. Il y avait quoi avant qui réunissait les gens, s'il te plaît ? Il y avait des endroits, des lieux où les gens pouvaient se retrouver. Aujourd'hui, il y a des jardins. Il y en a plein les banlieues, des jardins, et des bancs dedans. Ils peuvent pas se retrouver là, les gens. Aujourd'hui, il y a des troquets dans les banlieues. Les gens peuvent se retrouver dans les troquets. Ils peuvent le faire. Pourquoi ? Parce que avant, les gens avaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Regarde l'histoire, mon vieux. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait moins dans les banlieues qu'aujourd'hui. Il y avait moins de jardins, moins de réverbères, moins de cabines téléphoniques. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs ? Ils s'asseyent dans l'entrée et ils disent « la société ne va pas ». Va faire un tour dans le 16e arrondissement de Paris, tu vas voir si les mecs sont assis dans l'entrée. Ils sont pas assis dans l'entrée, les mecs. Ils sont soit dehors, soit dedans.
si les parents ne veulent pas qu'ils aillent courir et traîner le soir, ils sont à la maison, ils écoutent mon émission ou une autre, ou ils bouquinent, ou ils travaillent. Qu'est-ce qui empêche un mec qui habite les banlieues de faire pareil? Explique-moi. C'est la société? Non, mais comment, pourquoi à ce moment-là, à des endroits comme à Toulouse ou même ailleurs, des gens comme les Fabulous Troubadours arrivent à rétablir des dialogues et arrivent à faire que finalement les gens ne se regardent plus comme ça en coin ou de travers et qu'il n'y ait plus les mêmes tensions? Mais ça n'a aucun rapport, putain, Stéphane. Ton histoire de communication et la dégradation générale de l'immobilier des banlieues. Parce que le premier problème est là. Quand on vient avec de l'argent, on fait quoi d'après toi? On rétablit la communication? On rétablit pas la communication. On prend un peintre et on lui dit repeint. J'en connais plein, moi, des banlieues qui ont été repeintes. Ça fait un an à peine. On va faire un tour, tu vas voir. T'as envie de vomir. Tu te dis, putain, c'est la société qui quoi? Il y a des immeubles, des vieux immeubles dans toutes les villes de France qu'on n'a jamais repeint. Qui sont là avec leur pollution sur la façade, mais pas un graffiti. À l'intérieur, t'as une vieille peinture marron il y a 25 ans. Il n'y a pas un graffiti, pas un j'aime Géraldine ou je vais te prendre dans un sous-sol. Qui fait ça si ce ne sont les gens, dis-moi. C'est la société. On peut se dire on ne va rien branler, on va tout régler avec de l'argent. On peut se dire et on peut aller voir ces profs de Rouen qui ont arrêté de travailler et leur dire t'inquiète pas, on va mettre de l'argent. Ouais, c'est pas de l'argent qu'il faut. C'est un système, quelque chose, pour calmer ces mômes qui mettent le bordel. On peut ne rien faire en se disant un jour, la société ira mieux. Mais on peut aussi se dire, finalement, ce sont des gens qui mettent le bordel et le souk. C'est à ces gens qu'il faut parler. Arrêtez de leur faire croire que ce sont d'autres qui vont régler les problèmes qu'ils créent eux-mêmes, qu'ils se créent à eux-mêmes. Oui, mais enfin... Avant, dans les villages, tu avais tous les gens qui étaient au même endroit et toutes les différentes couches, tous les milieux socioculturels qui étaient au même endroit. Aujourd'hui, dans les tours, ce sont des personnes qui sont des mêmes origines. Donc forcément... Qui t'a raconté ça? C'est dans les banlieues et dans les HLM, c'est pas généralement les gens du 16e qui vont y habiter, Maurice. Donc forcément... Non, puisque les gens du 16e habitent dans le 16e, si tu veux. Mais si tu fais très attention à l'actualité, tu te rendras compte que très récemment, on a parlé des HLM, notamment qui se trouvaient au centre de Paris. Je crois que j'ai entendu qu'il y avait des journalistes, des gens très en vue qui habitaient les HLM. C'était là que résidait le scandale. Dans les HLM, il y a de tout, mon vieux. Absolument de tout. Regarde les parkings des HLM. La bagnole chez nous, c'est une carte de visite. Tu vas voir que dans les banlieues, il y a de tout. Vraiment de tout. Et puis, dans les banlieues, il y a les spécialistes de la dégradation. Et ces spécialistes, aujourd'hui, on leur dit, c'est pas grave, dégrade, mon vieux. Dégrade, c'est la société. Dans d'autres quartiers, il y a d'autres gens. Et on leur dit, ne dégrade pas, autrement, on va te choper, puis tu vas être obligé de financer immédiatement. La différence, elle est là. Elle est simplement là. Tu vois, l'école publique, celle qui est ouverte à tous, a une caractéristique principale qui est d'accepter tout et n'importe qui. À l'inverse, il y a l'école privée. Et il y a de tout dans les écoles privées, tu sais. Et la seule différence, c'est le climat. Dans une école privée, très souvent, on dit aux gens, ici, on ne met pas le bordel. Ici, on travaille. Dans les écoles de l'armée, il y a de tout, absolument de tout. Personne ne fait de graffiti sur le mur. Personne ne se met debout dans la classe... À l'école de l'armée, t'as pas un mec qui fume une clope à 2h30 du matin dehors. Y a pas un type qui va faire des marques avec un canif sur une Jeep de l'armée qui mériterait un décrassage. Parce que là-bas, on dit aux gens, il ne faut pas dégrader. Et tu fais le tour des grands hôtels aussi. Tu verras que personne n'est dans le sous-sol de l'hôtel en train de marquer des trucs. Parce qu'il y a marqué... Ici, on ne met pas le bordel. Réfléchis un petit peu. C'est une question de climat et une question de volonté aussi. L'ami qui habite cet immeuble richissime, celui qui te fait rêver, quand il est là et qu'un type passe avec un feutre à la main, il le regarde dans les yeux pour bien lui faire voir qu'il l'a vu.
Si jamais il y a une marque sur le mur, on va le retrouver, le mec avec le feutre à la main. Et on ne va pas le battre, non. Pas comme dans les banlieues, on ne va pas lui taper la tête par terre à plusieurs et en l'insultant et en parlant de sa mère. On va le faire sortir le chéquier. Et on va le faire financer la dégradation. La différence, elle est là, mon vieux. Tu sais, la banlieue, c'est... La banlieue, celle dont nous causons, c'est un ensemble d'appartements. Va chez ces gens qui dégradent. Va voir s'il y a des graffitis sur les murs dans la salle à manger. Il n'y en a pas, je te promets. Je connais quelques types, moi, qui mettent le bordel. Chez eux, c'est un peu le souk. Mais tu ne peux pas pisser sur la télé, c'est pas possible. Parce que chez eux, on ne pisse pas sur la télé, tu entends ? On peut faire l'ordre chez soi, en se disant que personne ne viendra faire un chèque pour changer le fauteuil qu'on aurait crevé un jour énervé avec une fourchette. Et puis on peut aussi se dire, c'est pas grave, pour dehors, je vais continuer à pisser dans les couloirs. Quelqu'un un jour viendra, dira que c'est la société et viendra nettoyer à ma place. Comme ça, je pourrai continuer. Pense à ça au lieu de pleurer toute l'année. Dis aux gens que la société est composée de la population. Et la population sont des gens. Arcane 17. Pas encore compris, hein, Lascar. T'as pas compris que c'était pas la même vitesse et qu'en plus de ça, si t'enlevais un petit bout sur le début de celui-là, que ça pourrait marcher tout seul. Tu es un âne. Arcane 17. C'est meilleur. T'as enlevé un petit bout. Eh ben oui, t'es une bombe. Faut que je te dise tout. Arcane 17. We live in the same house today, but tomorrow, if you see such a mood day, won't you dare say that we're young and so true and inspiring. Lascar, le match n'est pas fini. En mesure. C'était déjà meilleur. J'ai plus faim qu'au début, si tu veux. On sent que le mec a plus la zig dans le corps. Tu l'écoutes vraiment, tu vois. Que t'es pas là simplement en train de secouer ton petit corps pour essayer de faire quelque chose. C'était pas mal. C'était pas mal, Lascar. Est-ce que tu aimes les voyages, Lascar? Je promets devant tout le monde que tu en auras un. We live in the same house today, but tomorrow. If you see such a mood day, won't you dare say that we're young and so true. Lascar, jingle. 16, 1, 42, 36, 96, 80. Mais non, Lascar, jingle. Je le tire exprès, je tire dessus. Jingle. Normalement, 16, t'attends. Ben ouais.
Lascar. N'envoie pas le jingle, je vais expliquer quelque chose, il est con, c'est possible. C'est une bombe. Bon, je t'explique un truc. Quand je fais Lascar jingle, je tire dessus pour quoi faire ? Pour que toi, tu puisses en même temps profiter, parce qu'il faut écouter la zik en même temps. Donc, tu puisses profiter de ça. Je finis juste en mesure. Donc là, jingle, tu as une petite citation musicale et paf. Et paf, t'enquilles ton truc. Et là, les mecs se disent... Je veux dire, demain soir, dans ta discothèque préférée, là, en banlieue, là, les mecs, ils vont pas te parler comme ça, si tu veux. C'est en mettant la bouche en avant. Ils vont te regarder avec des yeux humides. Tu comprends ? On va le faire une dernière fois, juste pour que tu comprennes. Bon. Moi, par exemple, j'ai jamais glissé sur une intro, tu as remarqué ? Toujours la grande classe, quoi. Pourquoi ? Parce que je parle, mais en même temps, j'écoute. Oui, attention, attention. Le mix magique. I'm in trouble with you tonight. 16, 1, 42, 36, 87. Mais non, quel con ce mec. Là, normalement, on perd du temps. Je veux dire, il y a des mecs qui attendent pour causer. Mais non, mais pas là maintenant, le jingle, c'est ridicule. Là, il fallait... T'enquille la deuxième version, la version que nous avons pu enregistrer, nous, le 21 juin. T'enquille la deuxième version en mesure comme tout à l'heure, parce qu'autrement, on a l'impression que tu sais pas le faire, que tu as eu du bol, simplement. Tu vois? Bon. Donc là, paf, tu envoies la deuxième version aussi magique que tout à l'heure, que les gens se disent, attention, hein, ce type-là a du savoir-faire. C'est ça que tu cherches, en fait. Les gens se disent, oh, par exemple, s'il met 10 foules t'entends, il se dit, oh putain, c'est vachement bon, il t'embauche. Tu vois, c'est bien. Bon. Non, mais pense à ça, parce qu'il y a plein de mecs qui font de la radio et qui sont puissants et qui écoutent cette radio. Ils se disent, oh, attention, le mec a un réalisateur, c'est le gratin. Le mec arrive, il te propose tout de suite son salaire plus 5000. Donc ça te fait 5495 francs. Ah ben oui, chaque mois. Quand même beaucoup plus intéressant pour toi. Soigne le truc, hein. Donc première version, celle que tu veux. Deuxième version, celle que tu veux. Et ensuite, after jingle, et là boum. Ou alors si tu veux, tu le fais sans moi. Tu veux le faire sans moi? Non mais vas-y, sois tranquille avec ça pour une fois. Tu es sûr? Tu es sûr? On le fait ensemble. Tu as vu, hein, pour le moment, le match c'est 10-0. Non, pardon, 10-1. Taux de réussite, si tu veux, si un jour il y a quelque chose d'urgent, tu es sûr que c'est pas toi qu'on sélectionne. Hein. Ouais, comme ça, tu pourras dormir tranquille. Si ton téléphone sonne, tu pourras penser que c'est un ami qui cherche à te joindre. C'est pas quelque chose d'important. Envoyez. Voilà, donc là ça fonctionne. Tu écoutes la mesure, hein. D'accord ? 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Arcane 17. Maintenant, c'est l'épreuve du jingle. Il va falloir être aussi extraordinaire. Attention, attention! On se prépare! On a les doigts sur les boutons! Maurice Skyrock, 22h. Tu vois que tu peux quand t'es un peu concentré. Bravo, même le 12 s'est réveillé et a arrêté de parler de son week-end futur pour écouter. Tu vois? Tout d'un coup, si, mais alors Lascar, il fait quelque chose dans l'émission?
Non, parce qu'elles croient qu'en fait, l'émission, il n'y a personne. Parce qu'elles n'écoutent pas, elles écoutent RTL. Et elles écoutent la musique, donc sur RTL. Et de temps en temps, elles se disent, putain, il y a le téléphone qui sonne encore, c'est insupportable. Oui, alors, donc, je te disais, ouais, mais Jérôme, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, il est énervé. Bon, il y a des gens qui attendent. Allô, qui en a, je te prie. Allô. Ouais. Thomas, 21 ans, Louvciennes. Ouais. Voilà, je t'appelle pour parler d'un article paru dans Le Monde qui rapporte que le CSA veut assouplir l'application du quota de 40% de musique française. Quoi ? C'est une nouvelle. Hein. Alors voilà, il propose d'abord que le quota soit modulé selon les catégories de radio et les tranches horaires. Ensuite, l'élargissement de la notion de nouvelle production à 6 mois pour les albums et 3 mois pour les disques simples, ainsi que le calcul du respect des quotas sur 3 mois consécutifs. Voilà en gros ce qu'ils proposent, mais ils auraient pu y penser plus tôt. Surtout pour les catégories de radio et les tranches horaires à choisir. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. 40% de chansons françaises. T'imagines le monde dans lequel on vit, putain. Ah bonjour, t'as le directoire qui descend et qui dit ceci. Qui dit maintenant, je veux entendre ou je veux que les autres entendent 40% de chansons françaises. Le directoire connaît Zebda. Hein? Le directoire connaît Daran et les chaises. Jacques, ça va être ma première question si tu viens ici. Quel est ton morceau préféré de Daran sur les deux albums? Quel est pour toi, Jacques, le meilleur concert de Zebda? Et téléphone alors. Qui c'est que tu préférais? Quel artiste? Quel membre du groupe était pour toi le plus magique? Les textes, l'ambiance, le climat, Jacques. Paraît que ça t'a fait quelque chose. Je suis sûr que t'as fait comme nous tous, t'as traversé la France sous la pluie pour aller voir le dernier concert. Pas vrai, Jacques? T'as raison de les pousser, ces groupes-là. Jacques, dans quel garage t'étais samedi? T'as écouté quoi comme formation française? Qu'est-ce qui t'a fait bander, Jacques? Qu'est-ce que tu préfères, la guitare, la batterie, le chant? Est-ce que il t'est déjà arrivé, toi, de composer une chansonnette? Est-ce que tu connais tous les problèmes que peuvent rencontrer ces gens qui essaient de créer? Oui, Jacques, je n'en doute pas. Tu dis poussons! Mais tu sais parfaitement ce que tu veux que nous poussions, n'est-ce pas? Tu ne dis pas poussons pour dire poussons. Il y poussons parce que tu sais qu'il y a carence, il y a manque. Et que toi, dans ton plumard, le soir, à certains moments, tu te dis « Mais merde !» Je suis passé dans un bar avant-hier soir, j'ai entendu un groupe qui devrait être entendu par la France entière. Quand t'as fait quelque chose et tu as dit « Poussons !» Jacques, pas vrai? Ah, cette façon d'apprécier cette musique française bien de chez nous, cette petite partie, ce 40%, ça me plaît, Jacques. Ça me plaît d'imaginer que t'es comme moi, que tu les as tous, même les albums de merde. On pourrait causer de ça un soir. Hein, Jacques, il me tarde que tu viennes, j'espère que tu vas venir. Et que tu viendras avec, je ne sais pas moi, le ministre de la Culture. Ah, le cultivé du directoire, celui qui connaît encore mieux le sujet que toi, celui qui a donné l'impulsion et qui a vécu toute cette frustration, qui s'est dit « Mais merde, il y en a des groupes en France, je les ai vus !» Et même entendu. Ah, je ne suis pas allé là-bas vite fait pour faire 3 photos, je me suis installé, j'ai pris un coup à boire. Et j'ai payé, j'ai sorti les 20 balles, je les ai mis sur la table. On se rend pas compte, nous, d'ici, Jacques. On se rend pas compte que t'es un féru de musique. Que t'aimes celle qui est bande chez nous. Que même si n'a pas le talent pour composer,
Mais que quand c'est composé, ça te transforme ou te transporte. Jacques, je râle tout le temps, moi, c'est vrai, je dis... ouais, ces gens qui dirigent. Je ne me rends pas compte. C'est là, tout d'un coup, j'ai eu un éclair. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. C'est un fanat. Un fanatique. Jacques, je crois que je me suis trouvé une nouvelle activité. À partir de maintenant, en fin d'après-midi, et le soir très tard, je vais te chercher dans les bars. Voir où est-ce que tu vas, quels sont tes endroits préférés. Ce que tu écoutes, est-ce que tu préfères la variété, est-ce que tu préfères le rock, la musique arabe, qui sait ? Le bruit, l'odeur. À la maison, apparemment, ça ne te plaît pas, mais dans un troquet, peut-être. Ah oui, la musique arabe, Jacques, c'est de la musique. Tu ne veux pas la pousser, on a compris. Parce que dans ta tête à toi, il y a cette priorité nationale, préférence nationale, cette envie de pousser les 40 galopantes pour que cette culture dont les gens ne voulaient pas, qu'elle rentre quand même. Quelle stratégie, putain! Et moi qui pensais que t'étais là, te dorer au soleil, à Cotonou. J'étais enfermé dans cette suite présidentielle que je t'ai payée. J'étais allongé sur le lit et tu réfléchissais. Tu disais, faut qu'on trouve un moyen. Il faut forcer les gens à se cultiver. Pour Beaubourg, tu vas faire quoi, Jacques? T'as une idée? Moi, je pense qu'on devrait instaurer le 40% de déplacement français vers la culture française. Dire aux gens, oui, tu vas voir un film américain, tu vas voir une pièce de théâtre américaine. Tu vas voir la culture hindoue. Mais 40% de tes loisirs doivent être consacrés à la culture française. Ça va nous faire avancer. Ça, Jacques, ça c'est grand, ça. Ça c'est une grande idée, je suis fier de toi d'avance. Et je vais te dire, si jamais tu te présentes une autre fois, je vote pour toi. Ça c'est une grande première pour moi. J'ai la main un peu rouillée, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas voté. Tu vois ? Et là, tu me donnes des envies. Il me tarde aussi que tu sortes cette putain de mesure. Tu sais, pour les canards, les journaux, les quotidiens. Il n'y a pas 40% de Français dans les quotidiens. Il y a des sujets qui sont pas de chez nous. On n'est pas sûr qu'il y ait les 40% de préoccupations françaises là-dedans. Ah, Jacques, je vais te signaler, il y a des pubs, par exemple, là. C'est l'automobile allemande. Il n'y a pas de pub pour l'automobile française. Faut qu'il y ait absolument ces 40% de pubs françaises aussi. Parce que la pub, ça fait consommer, tu sais, c'est comme la diffusion à la radio. Tu diffuses 40% de chansons françaises et tu vends, allez, 20% de plus. C'est un spot pub que tu veux. C'est une bonne idée. Faut faire la même chose. Mais tout le temps. Faut être cohérent. J'ai juste une question, Jacques. Après ça, je te laisse tranquille. Chez toi, à l'intérieur, t'as quoi? T'as un scope français? C'est vrai? Un décodeur Canal Plus français? C'est vrai? Je suis épaté, tu sais. Tu n'as pas d'informatique à la maison? Parce que là, si tu cherches français, tu vas peut-être un petit peu ramer. Je suis pas un spécialiste, mais je le sens d'ici. Maurice, Skyrock, 22h. Lâchez-les du foie en grand. Tu vas là, je te prie. Allô ? Ouais, qui es-tu ? Moi, j'ai deux enfants, 20 ans, Saïd. Qu'est-ce qu'il y a, Saïd ? Là, je vais vous dire un truc. Quoi ? Je vais vous dire un truc. Ce que vous avez dit hier soir à propos de des pubs et de la télé. Vous savez, quand la personne se levait pour aller regarder les pubs. Ouais, les écrans publicitaires après le journal télévisé. Voilà. Ben, j'oublie ça, je vais vous dire un truc, c'est pas ça, parce que je voulais dire un poème, et comme vous avez dit
les bateaux, je sais pas quoi, que vous aimez les bateaux, vous voulez être tranquille. Ouais, non, moi je pense que t'as plutôt intérêt à réfléchir, à me rappeler demain, bonne nuit, mon merde, là. Alors, Kirana, je te prie. Allô ? Oui, qui es-tu ? Oui, Patrice, Nathalie, pardon. Oui. Patricia, tu t'appelles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais alors pourquoi est-ce que tu nous fais croire que tu t'appelles Nathalie ? Je t'appelle... Mais non, tu t'appelles Patricia, tu viens de répondre oui. Non, j'ai deux prénoms. Oui, tu t'appelles comment alors ? Le deuxième, c'est quoi ? Nathalie. Et le premier, c'est ? Patricia. Mais alors, on va essayer de te prendre dans ton versant premier. Tu t'appelles Patricia, quel âge as-tu ? Où es-tu ? 28 ans, Paris. Qu'est-ce qu'il y a, Patricia ? Je t'appelle au sujet du petit jeune homme qui vient de t'appeler il y a 10 minutes et qui avait pas l'air d'être bien dans sa peau. Et puis, bon, je me suis dit, est-ce que un jour, Maurice aura des enfants ? Et qui peut-être, parce que t'es un genre de génie, donc tu dois avoir des enfants qui n'auront peut-être pas de problème. Je te le souhaite. Mais est-ce qu'un jour tu penses que si tes enfants avaient un problème et s'adressaient à un animateur et qu'il les envoyait balader comme ça, parce que c'est la société qui fait ça maintenant, on n'a plus le droit d'être mal. Mais Nathalie, qu'est-ce que tu me racontes, Nathalie, Patricia ? On a le droit que d'être mal aujourd'hui. C'est ce qu'on dit aux gens. C'est pour ça que t'as plein de mecs qui ont des fausses maladies aujourd'hui. Parce qu'on leur dit, si tu es malade, on va t'écouter. Quand un mec a mal à la tête, il arrive, la première chose qu'il te dit, c'est pas son prénom, c'est son mal de tronche. Il te dit, j'ai mal à la tête, bonjour, je m'appelle Nathalie. Ça commence par ça. Si jamais j'avais des mômes un jour dans ma vie, j'espère au fond de moi-même qu'ils n'auront pas besoin d'appeler la radio quand ils auront des problèmes, qu'ils pourront se tourner vers moi. Tu vois que je serai présent. Et que je ne ferai pas comme l'essentiel de ces gens, je ne vais pas considérer que le plus important dans la vie, c'est le rythme de la télé. Je ne vais pas non plus considérer que le plus important, c'est d'acheter une maison. Que le plus important, si j'ai fait des mômes, ce sera de m'en occuper. Et tu vois, de considérer qu'ils n'auront pas besoin d'appeler la radio. Parce que je crois que la radio n'a pas de mission, contrairement à ce qu'on t'a fait croire. Elle n'est pas là pour te faire acheter, pour te faire te sentir mieux, pour te dire ce que tu dois penser. La radio, c'est une option. Et toute la France utilise la radio comme la télévision, comme des options. C'est pour cela que les gens s'en vont le cœur léger en vacances. Ils ne se demandent pas si leur animateur préféré, leur émission favorite continue pendant ce temps-là. Ils vont vivre leurs affaires. Point terminé. Alain, 28 ans, Waterloo. Oui, Alain. Bonsoir, Maurice. En fait, je me demande si les gens ont peur de parler des routiers parce que ça a une odeur de, je sais pas, d'eau de boudin, un truc comme ça, non ? Bah, ça a une odeur de grève, je crois, surtout. Ouais. Ça sent la grève avec son début comme les débuts de grève et sa fin comme une fin de grève. Et est-ce qu'il n'aurait pas bien fait de bloquer tous les supermarchés, disons, pour punir un peu ceux qui baissent leurs tarifs ? Je sais pas, ils sont à 4,50, je crois, du kilomètre, un truc comme ça. Je sais pas, mais moi, je suis très gêné avec cette histoire de grève de routier, parce que je suis balancé. Alors, c'est une espèce de satisfaction, parce que moi, ça me fait rire. Je trouve ça fabuleux, quand même, c'est la grande leçon. Je veux dire, quand le routier décide d'arrêter de bosser et de faire chier tout le monde, je veux dire, ça fait vraiment chier. C'est pas comme certains les gens du train, par exemple, parce que le train est en grève, tu dis c'est pas grave, je prends les qui vont en voiture de location, puis on parle plus. Alors que quand le routier arrête de bosser, là ça va faire mal. Hein. Sur les marchés dimanche, là le prix de la pomme de terre va grimper. Hein. D'ailleurs, nous allons acheter des pommes de terre, Lascar. On va partir cette nuit. Hein. On va aller en Belgique chercher les pommes de terre. On va s'en mettre plein le J7. Et normalement. À 200 balles le kilo, ça doit passer. C'est vrai. Oui. Donc, je sais pas, pour moi, ça aurait été vachement intelligent, je veux dire, de bloquer tous les super, tous les hyper. Non, ne viens pas donner ce genre de conseils, s'il te plaît, Alain. Tu vois, je voudrais pas qu'on ait des emmerdes après. Oui, mais au moins, l'économie, elle serait repartie pendant 3 mois. Mais Alain, si tu veux, mon métier, c'est la radio. Tu comprends ce que je veux dire ? T'entends bien, son métier aussi, c'est la radio. On va essayer de se démerder pour sauvegarder tous nos intérêts d'un coup sec. Tu vois, parce que si jamais tu viens ici pour donner des conseils aux mecs pour faire la grève, là on est dans la merde. Ouais. Tu vois, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai, mais en fait, bon, il fallait le dire quand même, quoi, ça serait. Non, tu as le droit de donner ton avis. De dire je trouve ça bien, je trouve ça pas bien. Tu vois ? Mais il faut pas que tu donnes de conseils. Genre, ouais, parce que là, c'est les mecs qui fabriquent, c'est tous les fabricants en fait qui vont payer les pots cassés, c'est ça ? C'est en fait tous ceux qui veulent faire quelque chose qui vont payer les pots cassés. À mon avis, disons en fait, tous ceux qui ont des terres, des trucs comme ça, bon, ils vont tout perdre, les mecs.
bon, tout ce qui est périssable, bon, ça va être perdu. Mais en fait, celui qui fabrique rien, le mec qui fabrique rien du tout, lui, il va rien y perdre. Il met au chômage technique et puis bon, il se calme pendant un petit moment. Puis après, il relance la machine avec des autres produits. Mais en fait, celui qui a perdu. Peut-être qu'on aura droit à un grand élan de générosité de tous les gens qui ont mis des choses dans les camions et qui proposeront de les donner à ceux qui bouffent pas. Hein, avant que ça se perde, ce serait une bonne idée, ça. Ouais, tu vois, on ouvre les camions, finalement. Bon, on va garder les magnétoscopes au chaud. Mais ce qui est périssable, on pourrait peut-être, comme on est sur le site, bon, ouvrir le camion, tu vois, et puis dire, bon, comme c'est perdu, comme ça va être perdu, ben à ce moment-là, on va le donner à ceux qui en feront quelque chose. C'est-à-dire, ça va leur permettre de tenir quelques jours. C'est une proposition. Ouais, je sais pas si, en fait, on aura le temps de leur donner ou s'ils vont le prendre eux-mêmes, quoi. Non, ils ne le prendront pas eux-mêmes, parce qu'il faut y aller sur le bord de la Nationale. Et tu sais, quand tu te balades dans les grandes villes la nuit, tu les vois, les mecs, hein. Tu les vois, t'en es presque gêné, si tu veux. Pourtant, attention, moi, je suis à l'aise avec ces choses. Je dis chacun sa merde. Mais quand tu vois ça, t'as du mal à rentrer chez toi, si tu veux. Tu te dis, je peux pas, là, maintenant, après avoir causé avec ces gens, je peux pas, moi, aller derrière mon chauffage, vivre le confort. Tu vois, t'es mal à l'aise. Tu le fais quand même. Mais t'es mal à l'aise, quand même. Tu vois, on peut pas dire à ces gens-là qu'il faut qu'ils se déplacent sur le bord des Nationales. Je pense que ça, ce serait bien. Ce serait une grande leçon. On montrerait que finalement, le Français est toujours prêt à aider son prochain. Et surtout, celui qui a besoin d'être aidé. Parce que les autres, ils s'en foutent. Ils ont des réserves plein la maison. Des pâtes, des conneries, tu vois. Ils arriveront à bouffer, autrement ils feront la solidarité dans le quartier, ça leur permettra de se rabibocher avec leurs voisins. Ok. Bonne nuit à toi, Maurice. Et puis, putain, tu nous as quand même gâtés pendant 2 ans, et je crois que tu mérites bien des cadeaux demain, et j'espère que tout le monde sera là avec toi demain. Passe surtout une bonne fin de carrière, et on va être là pour t'écouter tout. Je suis pas sur le bout, hein, je veux dire. Ouais, mais on va t'écouter jusqu'à la fin, justement, et je crois qu'on est loin de te quitter. Et tout ça, je crois qu'on est un paquet, il me semble. Je suis ravi. Bonne nuit. Bonne nuit.